Eh bien salut à tous et à tous, ici pour du V, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 4 de The Legend of Zelda of Pokémon Verfeuille. Et la dernière fois on s'était laissé à côté de ce vieux monsieur qui lit son journal avec la team Rocket. Team Rocket a encore attaqué les habitants d'Azuria, mais pas une journée qu'on parle d'eux. Du coup je crois qu'on avait soigné nos Pokémon. Je n'ai pas d'entrée des Pikachu en hors cam parce que Magikarp parce que voilà. Mais bon, l'important c'est qu'on soit sain et sauf après cette périlleuse aventure. On avait eu les chaussures de sport. Ah, j'ai trébuché sur un Pokémon, un Roche, un caillou. Ah ouais, c'est génial. Mais je m'en fous en fait. Allez, dis le panneau. Mon sélénité, entrée du tunnel. Ok, ben on y va. Allez, on s'était laissé là. Non, moi j'avais tourné jusque là, mais j'avais oublié de sauvegarder ici, très exactement. Du coup là ça on va un peu en chier. Parce que c'est des Pokémon de type roche, le type feu n'est pas efficace et le type électrique ne l'affecte pas. Il n'y a que Pikachu à la limite qui pourrait. Pikachu. Magikarp. Mais bon, j'ai la flemme de pêcher. De l'entraîner plutôt. Ah non, si, non, j'ai rien dit, on a griffacier. Ok, bon, ok, bah, je retire tout ce que je viens de dire. Il y a le temps d'avoir un drac au feu, non? Là, il y a une CT de souvenirs. Racaillou! Regardez, là, du coup. Voilà. Ok, bah en fait on est bon dans cette grotte. Merde. Là, regardez, c'était. T'es. En plus, c'est ma CT préférée, celle-là. Dans les grottes, on trouve de la racaille. T'es qui, toi? T'es qui, là? Un petit aspicot. Va pas faire long feu ton petit aspicot, tiens, pense la flamme et je dans ta gueule. Alors t'as quoi en plus dans le magasin? Un quoi confort? Bah je vais le niquer. S'il avait eu 3 Pokémon, je sais lequel ça aurait été. Ça aurait été un Darmania. Il ça aurait été putain de stylé. Faut aimer KO. J'ai gagné 166 points d'expérience. T'as battu Scoop Ken. Oh, tu m'as eu. Yes, on gagne encore de l'argent. On va devenir riche. T'as là, il y a une Pokémon. Là, par contre, je sais plus ce qu'il y a. Antipara, ok. Bon, ça peut toujours être pratique. Hein. Au cas où, il y aurait des Pokémon qui fassent plaquage. S'ils ont le temps de le faire. On a 10 niveaux de plus que. Non, là, je vais pas le tuer. Non, j'étais sûr. Ça me fait pas bien mal. Eh bien écoutez les amis, moi ça me fait plaisir de vous retrouver pour cet épisode du mercredi qui va durer un peu plus longtemps je pense, qui va durer une heure ou deux, je sais pas, on verra suivant comment je m'arrange. Mais en tout cas, j'ai envie de tourner, donc tant que je peux tourner, je tourne. On va essayer d'avancer le plus loin possible dans cette grotte. Du coup on va faire Flamèche, merde. Je sais qu'il y a certains qui aiment bien les épisodes longs, d'autres non. Moi j'aime bien tourner les épisodes longs, donc écoutez... Je me mets avec les gens, d'accord. On va faire un épisode long, un épisode pas long, si vous voulez. On va faire du 30 minutes sur les épisodes de pas long. À part le dernier qui a fait 20 minutes et quelques. Mais c'était voulu. C'est parce qu'on avait battu Pierre, donc il fallait se reposer un peu quand même. Non. La petite celle. Go. Ah là il est niveau 10. Bon ça change pas grand chose, on le one shot quand même. Du coup là on va passer niveau 20. En sachant que Reptacelle évolue niveau 36. Tente à prendre brouillard. Bah je sais plus tout ce que ça fait brouillard, mais il me semble que c'est pas. Ouais. Bah sa précision ennemie en utilisant une fumée encre, etc. De toute façon je vais pas m'en servir. Quoi, non. Je sais, elle n'a pas appris brouillard.
Et en plus, on a un combat dresseur. De quoi? J'attends mes potes ici. Comment est lancé par Fillette Iris. Ah, Iris, ça c'est un nom de champion, ça, dans noir. Et un nom de... maître dans Nord 2. Alors, voyons voir. Ah, oh, presque one shot. Ah, oh non, j'aime pas ça. J'ai pas le choix. Yeah, c'est bien. Dis au revoir, Mélofé. On gagne 204 points d'expérience. Il y a peur de 224 Pokédex. Pour l'instant, on n'a pas acheté grand chose, si j'ai pas de bêtises. On va descendre tout en bas, ne vous inquiétez pas. Ah merde, putain ça me saoule. Il y a trop de combats là. Merde, ah oh, fais chier. Ah putain, celle, vas-y, ouais, c'est bien. Yes, une potion. Oh, tu me cherches ou quoi? Ah ouais, quand même, il n'y a que des racailles. Un Telloremi. Magnéti, un par un Telloremi. Ben Magnéti, on va le violer, hein. Désolé de parler comme ça, mais bon. Ah, c'est vrai, hein. On va dire ce qu'il y a. Voilà, allez, salut Magnéti. Celle de 108 points d'expérience, c'est le torbe. Non, non, on change pas. Hop! Si t'étais de type assiste, tu serais mort. Mais bon, là, t'es quand même mort. Donc ça va en fait. Mais si on a un drapeau feu ici, bah, bah franchement, bah, bah, on est vraiment génial. Super bonbon! Allez, d'un coup là, comme ça. Je traverse les grottes pour aller à Azuria. Ah, mais moi aussi, tu vois. Si on a qu'à le faire ensemble, au pire. Je sais qu'à un moment ça s'arrivera, mais pas maintenant. Ou alors c'est dans l'argent, je sais plus. Bon là, logiquement, je chaunis pas. Il y aura un chrysacé, il y aura une... Tiens, voilà, et là, il y aura un papillusur à la fin. Oh, on fait un petit flamèche. C'est super efficace. Très assez de mes KO. Niveau 21, allez. Ça m'étonnerait qu'on arrive à voir un drapeau feu ici. Moi je me trompe, ça vient. Chenipang. Ah non, Chenipang, ok. Non, j'ai cru que ça allait être un peu plus dur. Bon. Après voilà, hein, chacun ses goûts. Hein. Ouh là là, j'ai fait n'importe quoi là. Ça va rien faire. En plus, je vois pas pourquoi il fait ça, parce que de toute façon, l'électricité lui la capte pas. Donc pourquoi il fait ça? J'aimerais bien expliquer moi pourquoi. Bon alors, ah, il est Pokéball, mais il y a trop de combats là. Ça suffit les combats, stop. À un moment, faut arrêter. Bon, on fait griffe sur mon avis. Ah oui, c'est bon.
Corde sortie. Mais il y a trop de combats là. Attendez, je fais un pas, il y a un combat. C'est quoi ce bordel là? Et aussi, il y a des mouches là. Attendez. Si, si, il y a des mouches qui viennent me faire chier, ça va pas le faire. Hein. Et dégage, mouche de merde. Voilà, prends ça dans ta gueule. Bon, on venait arrêter, tant mieux s'il y a des combats comme ça, ça fait exprès mon Pokémon, mais bon. On va lui là. Il y a trop de combats. Ça suffit les combats, s'il vous plaît. Oui, 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 s'il vous plaît. Ça suffit les combats. Oui, après voilà. Et niveau 8, c'est bon, je le one shot. Petit Nosferatu, il y a combien de Pokémon là-dessus dans les grottes? Il y en a 800 milliards, c'est pas possible. Ça pleut des Pokémon en fait dans les grottes. Salut, je cherche les fossiles ici, sous le mont Sélinité. Pierre de la Reine d'Argenta vient souvent m'aider. Et t'as pas de soucis pour moi. Oula! C'est plus balèze que je croyais ici. Ouais, donc en fait, toi, je vais te one-shot tous tes Pokémon. Un mystère, je le one-shot. Tu le vois, ouais, tu le vois, ton mystère, bah, tu le vois. Après, on ira faire un petit tour dans le Pokédex pour voir ce que tu fais. Est-ce que Kaninos, il paraît dans la première génération? Il me semble pas. Il me semble pas, non. Non, de toute façon, je sais plus. Donc au pire, on s'en fout. Je suis un chétifleur un peu claqué, voilà. Voilà, c'est bon, je suis mort. Peut-être ça l'a gagné, 198 points d'expérience. Je crois qu'il apparaît dans la deuxième ou dans la troisième génération, Kaninos. Et pourquoi je cours pas? Parce que comme ça, il y a moins de combats. Voilà pourquoi. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est l'important. Moi on s'en fout, mais vous, j'espère que vous allez bien. Parce que moi ça va. Bon, mon rate salive va bien. Et ah ouais, d'accord, donc en fait moi j'ai fait un énorme détour. Ok. Tout va bien. On va voir ce qu'il y a, vous inquiétez pas là-dessous. Hein. Si vous disiez de l'autre côté, il y avait une CT dans une Pokéball. Et du coup j'ai raté, donc du coup je vais devoir aller la chercher. Parce que sinon, ben, comme je fais le jeu à 100%, ben, sinon il va manquer une CT, ou au pire j'irai plus tard avec une repousse. Moi je pense que ça c'est plus simple. Pour ça, j'irai m'équiper d'un petit carnet. Non, c'est bon. Prends là, ça descend bien. Ok, là, team enquête. On fait quoi? Vite, vite, choisis vite. Putain, m'a fait peur cette conne. Ça bosse dur ici, alors du balai. Mais tu vas te calmer, wesh. T'as envoyé, je vous avais dit, t'as Team Rocket. Dans ce faire petit, t'as envoyé par Sbire Team Rocket. Reptencel, go. Reptencel, utilise le griffe acier. Reptencel, utilise griffe acier. Hop là. Et voilà, niveau 22. Ah oui, c'est vrai, j'y capture pas les Pokémon ici. Merci de me l'avoir dit. Mais bon, on se a faim. Ah bon. Après, j'avais dit aussi qu'on dirait jeter un coup d'œil au Pokédex, mais bon, hein. Vous dites-le, vous connaissez la suite, allez-y. Je vous laisse le dire. Vous voulez pas le dire? Bon, bah, Osef. Bon, alors, du coup, on fait griffe. Reptencel a gagné 185 points d'expérience. Et j'ai rendu le rendu sur YouTube de la vidéo. Bah, c'est pas dégueulasse, franchement. Eh ben tiens, voilà. J'avais dit qu'il y avait une CT. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Je l'avais dit, on est d'accord. Par contre, moi, cet endroit, je l'ai vraiment trouvé très long et très chiant à chaque fois. En plus, surtout qu'il y a des... Ah, lui, par contre, lui, je crois que je vais le capturer. En espérant que je le one-shot. Oh, merde, je vais le one-shot. Faut que je fasse un griffe. Et encore. Oh non, si c'est bon, il m'a donné un antipar au début. On a de la chance, on a de la chance, la chance, on a
de la chance. On a de la chance. Regardez, on a tout là. Là, on est paré pour... Attendez. Ah oui, d'accord, ok. Pokéball. Utilisez. Pokéball. Oui, tin, 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 tin. C'est vrai que c'est pas les nouveaux bruits. Non, c'est pas... Ah ben j'ai oublié. Les champignons sur son dos se nourrissent des nutriments de leur hôte insectoïde. Non, je peux en donner deux sur un. Bon, du coup, attendez, parce que du coup là, il faut... Voilà. Comment on a un antipara? On en a qu'un, merde. Oh, trop bien fait! J'avais jamais vu ça. Enfin, si, j'avais déjà vu forcément, mais je m'en souvenais plus de ça, tu vois. C'est si, là, en tout cas. Bon, du coup, on continue notre route sur la quête du racaillou. On va l'appeler comme ça. Ah oui, au final, j'ai cru que le premier épisode, j'allais appeler un ratata, s'il vous plaît, ou pas de recoul. Eh ben non, je l'ai appelé le retour en force. Super. De quoi? Ouais, il a fait vivre attaque aussi. Cet enculé de bâtard de sa race. Pardonnez-moi, c'est vrai, c'est pas mon genre de parler comme ça. Avec vous en tout cas, parce que sinon, oui, je parle quasiment tout le temps comme ça, mais bon. Il restait 8 points de vie, n'importe quoi. 8 points de vie, ouais, il me reste 8 points de vie. Ah, mes fils de chien, là. Alors, parce qu'en fait, il fait des dégâts à mon Pokémon, et ça m'énerve. Moi, c'est mes Pokémon, d'accord. Alors là, oui, là, par contre, je change de Pokémon, j'appelle Pikachu. Attends, tu veux Pikachu, tu vas le niquer. Pika pika, pika pika, pika pika, pika pika. Et voilà. Ah merde, je l'ai même pas tué. S'il fait ultra lasson, par contre, non, c'est bon. Que j'ai aussi fait ultra lasson, là, par contre, ça allait un peu m'énerver. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Parce que je t'ai mis dans la gueule. Et là, du coup, après, je te fais re-éclair. Et là, du coup, tu meurs comme une merde. Oh, le scoop, je t'ai mis. Oh, merde. Ok, j'ai dû faire ça. Non, j'ai dû faire ça. Ouais, ok. Ça y rapporte 160 Pokédollars. En fait, on va devenir riche. Oui, donc, on va acheter un coup d'œil vraiment au Pokédex. Merde. Sauf que le Pokédex, il est pas là. Il est là. Ah, c'est trop bien fait. Là, prendre ça. Allez, on a même la mer. Pokémon rare. Fus 24, prix 10. La carapuce. Confort, ouais, ouais, ok, ratata. Abo, par exemple, où on le trouve? On sait pas. Mais merde. Sabelette, par exemple. On peut le trouver là où on est. Mais bon, à mon avis, il doit être un peu rare, tu vois. Ou alors dans un étage particulier, tu vois. Bon, en tout cas, on va commencer à choper les Pokémon. Par exemple, notre Aptie, on l'a pas, donc on va essayer de le capturer. Enfin, on va pas. Ah ouais, mais non. Là par contre ça va pas être possible. Parce que là je vais te tuer quoi que je fasse. On va tenter une petite Pokéball direct. Si ça marche pas, bah on appellera Pika Pika. Non pas du tout, ok. D'accord, pas du tout. Le mec à peine j'ai trouvé la Pokémon, bim, allez, salut. Donc du coup Pokémon. Pika Pika. Allez Pikachu. Pika 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 Pika. Yes, exactement ce que je voulais en plus. Yeah. Putain, tu tues la Pikachu. Bon, là, logiquement, on a toutes nos chances de le capturer. Hein. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, bon, c'est bon, si on est d'accord. Alors. Voilà, bon, il va pas falloir que je me force sur les légendaires. Hein, parce que si je l'ai pas, ça va commencer à m'énerver.
Et n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez un carapuce ou un bulbe bizarre. Parce que je pourrais le faire. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais je pourrais le faire. Voilà. Ou si vous voulez un Pokémon en particulier de cette gêne, si vous me le dites, bah écoutez, je le prendrai. Mais si vous voulez un carapuce ou un bulbe bizarre, ça, s'il n'y a aucun problème, je pourrais, si je veux, le. Je pourrais le. L'avoir. Par contre, ce qu'il y a au fond, là, ça m'intrigue. Non, il n'y a rien. Ah, il y a trop de combats, ça m'énerve, là. Bon, racaille de niveau 7. Bon, logiquement, je le one-shot, mais si je lui fais flamèche, je le one-shot pas, je sais pas. Mais genre, coup critique, même pas. Oh la vache, le somme. Oh. Ah si, quand même, je peux te dire aussi, il y a un mec. Ya, tu m'as fait peur, quoi. Mais t'es super jeune. Et alors, ça te pose un problème, connard. Enfin, je m'emballe un peu trop, des fois. Le combat est lancé par Montagnard Marcos. Racaillou est envoyé par Montagnard Marcos. Répétez-le, le gros, vas-y. Défonce-le, le petit racaillou, là. Fais-lui un petit griffacier. Voilà. Dégage, racaillou, dégage. Tu me pousses sur ma route. T'as pas voulu aller dans mon équipe tout à l'heure. Ah, encore un racaillou. Je vais me le faire. Ouh, je vais me le faire. J'ai envoyé ton racaillou, là. Et tu sais, après, il a voir Gravalache, de niveau 26. Et là, je fais... Mais je voulais quand même le défoncer parce que moi j'ai griffacié. Ouais, que lui le type proche et que du coup il est là. Et il est type proche et sol. Donc vous, là vous vous imaginez bien la lenteur du truc. Hein. Et il va. Ah, il a un Onyx direct. Par contre, Onyx, je te dis tout de suite, je l'aime pas. Donc c'est à dire je vais le tuer. Hein. Mais bien aisément, regardez. Hop, voilà. Dégage, je ne veux. Non, dégage. Je peux fermer les yeux. Oh, mais genre. Ah, ça c'est chiant ça. Ah, t'as raison là. En plus, tu baises beaucoup. Hein. À cause de toi, on a failli mourir. Hein. Pas du tout, mais bon. Ok, pas de problème. Tencel. Ah, j'ai cru que t'allais monter à niveau. Ah, je suis déçu là. Tu m'as déçu. Tiens, je te jette à la poubelle. Quoi. Oh non, une Pokéball. Genre. Ah, si, quand même. Pierre Lune en plus, hein. Hein, voilà. Puis ça, je dis rien après. Hein. Ça m'a fait peur. Voilà. Oh, en plus, c'était bon, un paras, quoi. Paras. Je suis un petit paras. Et je vais. Mais j'ai pas de. J'ai pas de. Voilà, j'ai pas de. Et je vais. Me faire enculer. Voilà. Non, mais genre, il manque. Regardez, il manque un point. Regardez. Il manque un point d'expérience au pari. Il en manque 18, quoi. Mais bon, vous avez vu un peu là, le malchance que j'ai, moi. Mais bon. Il devrait y avoir des centres Pokémon à l'intérieur des grottes. Ou alors, t'achètes des potions. Ah, oui, ça marche aussi, effectivement. Donc là, ouais, je me souviens, c'est là où on a vu le gars de la Team Rocket. On trouve un rappel. Ah, ben voilà! Quand on parle du loup, enfin du loup, non, parce que c'est un rappel, donc c'est pas un loup. Ah, voilà, là, voilà, je vais pas le one-shot, j'espère. Ah bah si, ok, d'accord. Bon, pourquoi pas, après, hein. Par contre, moi, j'aimerais bien trouver des sablettes. C'est pas possible, des petits sablettes. Ah, pourquoi des dégâts de la Team Rocket, ça me plaît pas beaucoup. Mais bon, on les affronte parce que nous on est des hommes. Les gagnants ne s'occupent pas des affaires des grands. Tomer, tu parles de moi, ouais, plutôt. C'est moi le grand et toi le petit gamin. Ratata est envoyé par la Team Rocket. Elle peut t'aider à le goût. Fais lui griffe, ça va le calmer, je pense. Voilà. Voilà, ça te calme. Ou tu veux que je le capture aussi? Parce que moi je peux le capturer, ça me dérange pas. Moi j'aurais deux exemplaires. Hein. Sablette va être envoyé par Sablette. Est-ce qu'on change? Sablette est type. Ouais, mais non, on change pas.
On va faire j'efface dans le câble vite fait. Non! Quel con. Bon, moi je l'ai tué, mais bon, j'ai gâché une flamèche quoi. J'ai plus de flamèche, mon reptile il meurt. Non, je rigole. Et en vrai, c'est vrai. Dans le dessin animé, si t'as plus de flamèche, tu meurs. Enfin, si t'as plus de flamèche, non, s'il a plus de flamme au bout de sa queue. Par contre, les combats là, ça commence à devenir un peu chiant. Hein. Après, voilà, je dis ça, je dis rien, mais. Oula, il y a un gros lag, on est d'accord. Non, non, pourtant, il n'y a rien qui. Ah non, ça va, on en a encore un peu. Ouais, mais pourquoi j'ai fait ça? Oh là là, mais quel con. Ouais, ok, bon, bah. Adieu, racaillou, mais moi, je m'attendais un peu en fait. Je crois qu'ils aient fermeté, c'est un peu chiant ça. Quand tu veux pas qu'ils l'ont. Quand tu veux pas qu'ils l'ont, eh ben ils l'ont. Et quand tu veux qu'ils l'ont, ben ils l'ont pas. C'est con. Il devrait y avoir un micro dans Pokémon. Je veux un racaillou avec fermeté niveau 100. Et voilà, tu l'as. Enfin non, pas niveau 100, niveau 99 plutôt. Ça après tu fais monter niveau. Oups, n'importe quoi. Ça après tu fais monter niveau 100. Et comme ça, après, bah, t'as un grave à lâche. Puis après, tu l'échanges avec un autre gravalache et du coup t'as un problème et du coup t'as un problème niveau 100 et du coup t'es super badass je crois hein, parce que si t'as un problème niveau 100 quand même t'es quand même pas mal hein. Raikaiou go. Pourquoi j'ai dit racaillou bon. Alors là par contre monsieur le racaillou femelle, madame du coup racaillou, ça va pas le faire ce que t'es en train de faire. Ça veut dire que tu vas vite commencer à me casser les couilles là. Bon là c'est bon, merci. Là c'est coup critique, là je le tue, là je vais réagir vraiment. Non, c'est bon. Je vais pas vouloir mûr, mais il va te faire enculer. Parce qu'en fait, ceux qui n'ont pas compris pourquoi je fais pas griffacier, c'est parce que j'essaie de le capturer. Voilà, pour ceux qui ont avancé un peu dans la vidéo. Voilà, je annonce comme ça. J'ai l'impression que ça fait 3 heures que j'ai pas parlé. C'est quand même dingue. Hein. Voilà. On va lui faire encore une petite griffe. Et on parie coup critique là. Attention, on parie combien de coup critique. Là, on le. Croisez vos doigts, croisez tout ce que vous voulez. Mais là, on le capture. Je suis désolé. Enfin, de toute façon, vous avez même pas besoin de croiser les doigts. Parce que de toute façon, on capture. Donc, voilà. Allez. 1, 2, 3, 4. Voilà. Il vit dans les plaines ou les montagnes. On le confond souvent avec un petit caillou. On a surtout un caillou capturé. Eh ben non. Je me disais aussi quand même qu'il y avait une couille dans le pâté. Hein. Parce que là, avancer à ligne droite et qu'il n'y a rien quand même, c'était un peu louche quand même. Hein. Attendez, hein. 1 minute. Ta-da-na-na-na-na-na. Écoutez, je crois qu'à 30 minutes, je vais faire une petite pause. Donc écoutez, il y aura peut-être une micro-ellipse. Donc à 30 minutes, je vais faire une petite pause. Donc c'est-à-dire, je vais aller me reposer un peu. Enfin, me reposer, je vais pas dormir. Hein. Je vais juste manger un petit bout. Et puis après, on repartira sur du 30 minutes. Je pense que c'est pas mal, ça, comme ça. Bah écoutez, on va se faire le sbire de la Team Rocket que j'ai vu derrière là. Et puis ensuite, petite pause. Pas pourquoi j'ai pas fait ça dès le début, mais bon. Ah oui, voilà, là on va avoir notre tout premier fossile. Du coup, je crois que j'ai pas gardé de place dans mon équipe. Merde, ah non, mais c'est bon, y a pas besoin de place de toute façon. Écoutez, comme ça me fera le temps de faire une petite pause, de regarder un peu lequel je vais prendre.
Parce que je sais lesquels c'est, bien sûr. Bon, je vous pense que mon choix est déjà fait, mais... Mais voilà. Donc, attendez. Là, j'ai oublié ce que je vais faire. Bon, on va lui faire... Griffe. Voilà, c'est bon, ça te calme, là? Apparemment, non. Bon, bah... Écoutez. J'aimerais bien qu'il envoie Zubat. En français, Nosferapti. Ah, putain, il est dans mes pensées, en fait. Trop bien, ce jeu. En fait, vous lui disiez qu'il y avait un micro. Ben oui, en fait, il y a vraiment un micro. Trop cool. Du jour, je savais pas du tout qu'il allait y avoir un autre sur un petit. Hein. Je me suis pas lancé d'avant. Et voilà, en plus, coup critique, nickel. Pika, pika. Allez, vas-y, Pikachu, monte le niveau, là. Ah, presque. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, Pikachu, t'as fait tomber. On se sent arrivé. Bon, écoutez, les gens, on va faire une petite pause. Je vais aller manger un bout et tout. Hein. Je vais aller boire un peu. Et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Eh bien, les amis, donc c'est bon. J'ai fini ma petite pause tranquille. Je me suis un peu reposé. J'ai mangé un petit bout. J'ai bu un coup aussi. Et voilà. Help, toi là. Donc, je sais, je pense. Attendez. Je me suis fait une petite ellipse. C'est 5 minutes le temps de regarder quelque chose. Écoutez, re les amis, donc c'est bon. Écoutez, voilà, je sais, les fossiles et Kaninos est bien de la première génération, donc c'est bien s'il me semblait. Parce qu'il apparaît dans le générique de Pokémon. De Pokémon version saison 1, quoi. Donc voilà, donc c'est bon, j'ai rien dit. Ok. Donc je connais les deux fossiles et croyez-moi que j'ai déjà fait mon choix. Je pense, bon, Alexa, je suis désolé, tu vas être un peu déçu de moi, je pense. Mais bon, écoute, c'est mon choix quand même. De toute façon, tu verras pas cette vidéo avant mercredi, donc, eh merde. C'est facile, ils ont à moi, Patouche. Mais je pourrais apprendre les deux ou pas comment ça se passe? Ouais, un télo Michel. Vas-y, Michel, envoie ta demande. Allez, Michel. Allez, Michel. Allez, on utilise le griffe acier, je sais pas pourquoi. Parce que c'est ni super efficace, ni... Ah, fais chier. En plus, je me suis fait mal à la tête. J'ai mis une brosse. Non, il y a une entrave. Asmogo, bah non, je change pas. En temps normal, j'aurais dû avoir un type électrique, ça aurait été pas mal. Enfin, si j'en ai un. Ah merde. Oui, oui, non, c'est bon, tu viens de me le dire. Un type électrique, pourquoi? Parce que comme ça, il serait pas affecté par le poison. Mais bon, j'en ai un déjà, type électrique en fait. Mais bon, bah, pour que la police. Ah, niveau 24. Plus que 12 niveaux et on augmente encore un niveau. Il évolue en Dracofeu. C'est pas mal. 12 niveaux quand même, c'est faisable. Pas dans cet épisode, mais dans l'autre. Non, il envoie quoi déjà? J'ai oublié. Un Voltorb. Mais je suis toujours Flamèche. Hein. Moi j'en étais sûr, de toute façon, qu'on allait avoir nos fossiles ici. Toute façon. Parce qu'on a rencontré un gars qui nous a dit attends, c'est mes fossiles. Enfin, je cherche des fossiles. Des fois, Pierre, il vient m'aider. Écoutez, moi je me lasse pas de ces aventures en tout cas. Chacun le sien, comme ça, pas de jaloux. Ah bah voilà, t'es... Je pense que je vais prendre celui-là, je pense que c'est celui-là. Ah merde. Ah. Attendez. Attendez les gens, salut, je vous refais vite une ellipse. Écoutez, ben re les gens, on va prendre le Nautil. Parce que... D'accord, ok, on attaque direct. Mais il me semble que c'est celui-là qui m'intéresse. Je suis pas sûr, écoutez les gens, mais bon, hein, il faut bien commencer par quelque part, donc... Hein. Mais pourquoi j'ai fait griffe, je sais pas, mais bon, merde. Oh, mais fais chier. Bon, de toute façon, heureusement qu'on arrive bientôt à certains Pokémon et qu'on a des Pokémon encore en stock. On a Pika Pika, on a... Magikarp. On a Poissy, 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 Rennes. Pour ceux qui auront compris, hein, voilà. Fossile Nautil, oui. Fossile Nautil obtenu. Ok, je prends celui-ci. Un antipara, s'il vous plaît. Non, pas un antidote, j'ai dit un antipara, connard. Oui.
Oui. Il n'y a plus de combat en extérieur. Je vais aller direct soigner mes Pokémon. Attends, là, il y a une Pokéball. On récupère d'abord la Pokéball. Et donc là, on arrive à... Azuria. Eh ben, écoutez. C'est un moment pour s'arrêter l'épisode. Non, je rigole. Mais sûr que oui, on va continuer quand même. Je crois que je suis en train de faire n'importe quoi, là. Moi, je veux soigner mes Pokémon. Pokémon! Ah, il y a une arène. On va se la faire. Direct. Je veux dire, on arrive, voilà, on va sur l'arène. D'abord, je vais ranger mes Pokémon. Mes nouveaux Pokémon. J'ai bien la musique en tout Yeah. C'est en mode... Ouh! Allume le PC. PC de... Voilà. Non, merde. Déposer. Donc, on va déposer... On va déposer Paras. On va déposer... Voilà, hop. Bon, est-ce qu'on prend Magikarp dans notre équipe? Ben, ça dépend. Si vous voulez un... Carapuce, on le jettera. Bon, pour l'instant, on le met. Pas coûté, hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu connais Léo? On raconte que c'est un vrai Pokémaniaque. Les gens sont juste jaloux de Léo. Nous sommes tous un peu Pokémaniaque, non? Oh oui, on va enfin arriver à un Pokémon qui va vraiment nous intéresser. Il y en aura n'importe quoi pour mettre la main sur un Pokémon rare. On va enfin trouver aller à l'étage pour faire des échanges avec tes amis. Tu peux avoir plus de Pokémon en faisant des échanges. En plus, ces Pokémon échangés grandissent plus rapidement. Vous savez quoi, les gens? Et on s'écrit collection, ouais. Ok. Ben là, on va avoir un Pokémon qui nous intéresse vraiment. Écoutez, on va se faire l'arène et puis on va aller voir Léo. Ou alors, d'abord, on va voir Léo. Ouais, ça me tente plus d'abord de faire l'arène, tu vois. C'est le typo. Bon, mais ça me tente plus d'aller voir Léo, tu vois. Ouais, mais... Ah, mais si, non, j'ai rien dit. Non, du tout. Quel con, j'ai Pikachu. Mais du coup, je vais les violer, là. Ça se fait pas ce que je vais faire. Écoutez... Voilà, on va se faire l'arène d'abord. Comme ça, on a deux badges. Non. Pam, 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 pam. Hippotrempe. Bon, ben, on va le tremper, alors. Enfin, on va l'électriser. Ça va, en fait, ils sont pas trop au niveau. Là, on voit pas, merde. Il y a, c'est bon, il est paralysé. Bon, écoutez, là, franchement, on est bon. C'est super efficace. Là, on monte au niveau 13. Ce qui est plutôt pas mal. Coquillasse. On change pas, non. On garde Pikachu. On garde Pika. Éclair. En espérant qu'on galère pas comme le premier badge, j'espère. Donc là, si je dis pas de conneries, si j'ai bien fait mes calculs, vous regardez cet épisode un mercredi. Donc c'est tous les épisodes de mercredi vont être un peu plus longs que d'habitude. Écoutez, voilà, c'est mercredi, vous êtes crevés et vous en avez marre des cours. Donc voilà, écoutez, moi je vous fais plaisir avec un épisode de 1 heure. Du coup, on a monté 2 niveaux à ce point-là. T'es sûr? Bon, ça, j'aurais pu l'affronter direct, mais bon. Ondine, ça me dit quelque chose. Poissilène. Mais clair, hein. Ouh, là, ça, par contre, là, ça va être chaud, hein. Ah, ça va, s'il fait tourniquer. Ok. J'y vais. Oh non, pas ça! Je rate pas. Yes. Oh, merci Dieu, merci.
Est-ce qu'on va soigner notre Pikachu? Allez, oh, c'est parti. Et là, mon personnage ne veut plus courir. C'est normal? Oui, c'est normal. Ok. Et là, on a plus que deux Pokémon. Tandis que dans notre PC, on en a 6 ou 8. En tout cas, les gens... Hein, voilà. Vous voyez ce que j'en pense de cette arène. On va la fumer. Enfin, on va pas la fumer puisqu'on a des Pokémon de type feu. Enfin, on a un Pokémon de type électrique pour battre l'arène, mais... Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Tiens, un nouveau visage. Si tu veux être un vrai dresseur, il te faut une stratégie pour tes Pokémon. C'est quoi ta tactique pour capturer les Pokémon sauvages? Ma tactique, attraper avec des Pokémon. Oh, waouh, c'est vrai que c'est vachement une tactique. Tam, tam. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Tam, 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 tam. Mais genre quoi? Oh là là, mais c'est pas possible. Bah rappel hein. Mais genre quoi? Allez, il va me faire. Ah non, c'est bon, il est soin. Ah, mais ça fait tout aussi chier. Oh, ça fait chier quoi. Ouais, c'est bon. Maintenant, t'attaques avec. Waouh, c'est vrai que c'est super efficace. Ouais, tu vas le tuer. Même pas. Tu me déçois. Hein. Elle a combien de Pokémon? Elle a 3, 2. Elle a un poids sirène, ça j'en suis sûr. Mais je sais plus si elle a un autre Pokémon ou pas. Bon, du coup, on va essayer de le faire le plus mal possible. Ah merde, je pourrais pas le faire plus mal. Malheureusement. Là, faut pas qu'elle me le tue, sinon je vais buter un câble. Ah, mais genre quoi! Me le tue pas, me le tue pas. Mais non, mais genre quoi. On est marre là. Putain, mais y'a que des fails dans ces arènes. Elles sont buggées. C'est pas possible. Cette fois, on va réussir. M'en fous. Mais je m'en fous, hein. Tant que j'aurais pas réussi cette arène, mais je la referai. De toute façon, j'ai pas le choix. Enfin si j'ai... Enfin non, j'ai pas le choix. Mais ça me fait chier quoi. On va mettre Reptassel devant. Écoutez, c'est un Pokémon de type feu, c'est la reine de type eau. Ça aurait été parti d'avoir bulle bizarre là, tu vois. Mais écoutez, si vraiment on n'y arrive pas, voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. On prendra niveau 20. 26 plutôt. Là, la version Starry, ok, là je veux bien. Bon, c'est bon, là, pour l'instant, on gère. Du coup, j'ai toujours pas vu combien elle avait de Pokémon. Ah, bon, c'est bon, allez, on se reprend, allez. On va dire qu'on a rien entendu, d'accord? Ça, c'est bâtard, ça. Bon, ouf. Non mais merde, c'est pas ce que je voulais faire. Il y a eu un gros bug là. Que doit faire Reptensel? Il doit faire un griffe parce que ce connard fait que de se soigner.
Et là, forcément, c'est drôle. Oh, critique. Mais genre, tout à l'heure, il m'avait pas fait autant de dégâts. Mais ferme ta gueule avec son putain de capacité de merde, là. Oh là, c'est pas possible. Mais ferme ta gueule, putain. Mais il me fait chier, ce Pokémon de merde, là. Ouais, voilà, super. Waouh, là, il va me tuer. Non, c'est bon. Merci. Bon, là, je te préviens, là, par contre, là, tu vas morfler avec mon Pikachu. Hein. Par contre, si j'échoue encore, là, je vous fais une ellipse. C'est ce que je gagne, je vous préviens. Mais ferme ta gueule, putain. Mais c'est moi qui attaque le premier, putain. C'est moi qui rentre en jeu le premier, quoi. Bon, on va arrêter les conneries 5 minutes, quoi. Ouais, bien fait pour ta gueule, ça. Non, je prends le reflet. Elle a deux, donc c'est un poids sirène. Pas du tout, c'est un Staros. Moi, je sais pas ce que je fais là, n'importe quoi, mais voilà, là, il va me le tuer. Mais fais chier quoi. Ellipse, merde. Bon les amis, je vous retrouve au centre Pokémon, pas parce que je viens de me faire botter le cul comme ça m'est arrivé à deux fois avant, juste parce que j'ai XP mon Pikachu et qu'il était un peu mal à point. Donc cette fois on va aller se faire cette putain d'arène de merde et on va la réussir. Parce que mon Pikachu maintenant c'est le plus fort, c'est le meilleur. Regardez combien de niveau il est niveau 20. C'est parti mon kiki, là on va tout défoncer. Si on défonce pas tout là, ça va être très compliqué de tout défoncer un jour. Ça, je peux vous le dire. Et j'ai tenté encore une fois après, quand je m'étais fait botter le cul, je me suis refait botter le cul. Mais un peu moins. C'est-à-dire que j'avais réussi à lui botter le cul à son Starry sans avoir perdu un PV à mon Reptin 5. Donc c'était plutôt pas mal. Je veux dire, voilà, il avait fait un mur, j'avais mis griffe et j'avais fait un coup critique et je l'avais tué. Mais là, non, ça n'arrive pas forcément parce que vous êtes là. Voilà. Starry me fait plus. C'est celui qui me fait le plus chier. Parce qu'il a soin de merde là. Mais arrête avec cette capacité de merde. Voilà, je commence à vraiment m'énerver là. Mais arrête. Vous voyez ce Starry là, il va vraiment me casser les couilles. Mais là réellement là. Mais putain, mais arrête. Il me casse les couilles. Il me casse les couilles. Il me casse les couilles. Forcément, il va me le tuer ce soir. Ah non, c'est bon. Allez, ouais, va te faire foutre. Voilà. Et donc lui là il aura un niveau de plus que moi. Donc ça va, ça, logiquement ça peut passer. S'il fait pas vivre à quoi en premier, logiquement ça peut passer. Mais bien sûr que oui, mais pourquoi putain. C'est moi qui ai plus de vitesse que toi, non. Oh merde. Oh sans déconner. Il se base dans sa confusion. Mais t'es. Oh ça me casse les couilles. Bon ben je vous retrouve cette fois vraiment quand j'aurai le badge. Religion, désolé pour l'ellipse, là je vous reprends parce qu'en fait j'ai voulu aller en haut, vous voyez là-haut là. Et en fait Red m'a attaqué, donc écoutez, on va le battre. Oh, si on commence à m'énerver comme ça va pas le faire. Hein.
pour entraîner en fait mon Pikachu, pour tout dire. Je voulais entraîner mon Pikachu vers le haut. Le seul problème, c'est que Red m'a attaqué. Sauf que j'ai pas capté tout de suite que je devais rallumer l'enregistrement. Donc désolé les gens. Donc en fait, finalement, je crois qu'on va aller voir. On va aller voir. Voilà, on va aller voir Léo en premier. D'ailleurs, Léo, c'est mon chien. Voilà. Très drôle. Non, en plus, c'est vrai, hein. Je vous blague pas. Écoutez, pour rebattre, j'ai l'impression que ce truc, il faut au moins être niveau 25 avec mon Pikachu. Donc écoutez, bon, on va être niveau 25 avec mon Pikachu. Hein. Hey, tu sais quoi? Je suis allé chez Léo, il m'a montré ses Pokémon rares. Il m'a ajouté plein de pages à mon Pokédex. Tout le monde sait que Léo, c'est un Pokémoniaque. Il a même inventé le stockage des Pokémon sur PC. T'as qu'à aller vous le voir. Bon, je trace, ciao. Ah, il revient. Ouais, c'est ça. J'ai les boules pour toi, je te jure. T'es toujours derrière moi. Bon, je vais te donner un cadeau, mais c'est une faveur. Memoridex, pas j'objet. C'est parfait pour une pipelette comme toi. J'en ai pas besoin parce que j'ai rien à faire. Des autres. Allez, je suis plus là. Bon, bah écoutez. Je sais pas du tout ce qu'il nous a donné. Oui, à YouTube. D'accord. Très bien. Message de YouTube. Deux messages de YouTube. Bon, je pense savoir déjà ce que c'est. Hein. Ah, mais voilà. Là, du coup, comme on va avoir plein de combats, Pikachu va pouvoir moins monter niveau 25. Attendez, les gens, je vous fais vite fait une petite ellipse. Ok, donc c'est bon. C'est bon. Ok. Non, j'avais cru entendre un bruit, mais c'est bon, en fait. Donc, eh ben, écoutez. Voilà. J'ai appris souplesse aussi en m'entraînant en Pikachu. Écoutez, hein, tant mieux. Ou pas tant mieux, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas mal. Aspico, on change pas, non. Bah écoutez, je pense que c'est après cette histoire qu'on va se laisser, hein, parce que là, ça va bientôt faire une heure. Et là, ça commence un peu à m'énerver. Oui, non, c'est bon, ça envoie YouTube, je parie. C'est carrément un email de YouTube, c'est carrément. Claire. Et voilà, et là il va pas, et s'il meurt en fait. Et ouais, bah c'est niveau 25. Bon, vous savez quoi, pour le prochain épisode, mon Pikachu sera niveau 25. Promis juré. Ça sera peut-être même un Raichu. Non, je rigole. Parce qu'il faut une pierre foudre. Et il va envoyer quoi? Un Darnardien. Ou un papier d'usure. Ou à rien parce que c'est tout. Eh ben écoutez les gens, je crois qu'on va se garder le suspense pour la prochaine fois de Léo. Parce que là, il y a encore beaucoup de dresseurs là, on est sur un pont pas au-dessus de l'eau. Donc écoutez les gens, moi je voulais vous dire à la prochaine. C'était Produit JV. Attendez, d'abord je sauvegarde. Voilà, donc écoutez. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine. C'était Produit JV. Bye bye.